PEGI 18. Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dead Space 2, pardon, j'allais dire Dead Rising. Non, c'est terminé, ça commence pareil, mais c'est pas du tout le même jeu. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu ? Ça se passe 3 ans après le premier Dead Space et on a retrouvé Isaac sur Titan, qui est un satellite de Saturne, je crois, dans un espèce d'hôpital et apparemment, il souffre de démence suite au monolithe. Alors, on va continuer. On a croisé bien évidemment nos joyeux nécromorphes. Message. Qu'est-ce qu'on a ici? Rapport de maintenance. Liste statistique. Oh là. Liste statique, pardon. Unité, ok. Remplacer antenne, ok. Bobine, dysfonctionne. Ne dysfonctionne toujours pas correctement. Ne fonctionne, pardon. Test de la matrice, Marseille, annulation de tout autre rendez-vous, durée estimée un jour. Ok. Donc là, par contre, on a un truc bleu. Qu'est-ce que c'est ? Tournez lentement L et trouvez les points faibles bleus, puis appuyez sur croix. Ok. Voilà. Ah, il y a eu un rouge. Voilà. Voilà. Ok. Dégage-toi. Tu m'auras pas. Hop là. Allez, bah dis donc, on commence l'épisode. Nickel. Bon, bah au moins on a retrouvé la stase. Pour ralentir tous les joyeux rapidos. Donne-moi ça toi, vilain. Allez, voilà. Ok, donc en fait on a récupéré un morceau de ça. Ok, alors ici, ah bah ça c'est pour recharger la stase. Ça on l'avait aussi dans le premier d'ailleurs. Et c'est encore pour recharger la stase. Ok. Qu'est-ce que... Ah ok, ça ouvre la porte. Ok, j'ai compris. Hop, c'est triangle la stase. Voilà. Hé hé, je t'ai brain. Énergie plasma. J'entends du bruit là. Ah. Feu, un survivant. Ah. Couché. Voilà. Bestia, j'ai pas reconnu. C'est un nouveau. Ah, ah mais c'est les vomitos. Je crois que c'était dans Dead Space Extraction qu'on les avait vus aussi. Non, t'avais rien. Et toi, démune. Y'en a un autre ou pas? Non, ça a l'air d'être nickel. Toi. Donne-moi ça. Alors par contre, j'ai pas encore rencontré sur les murs, il y avait des placards. À part ceux-là, là, bien évidemment. Énergie place. Ah bon? Déjà? Alors c'était quoi? Voilà, rond. Hop là, j'ai pris un petit soin. Point de force. Non, j'ai dit point de force. Et ça. Voilà. Allez, bah dis donc, je suis déjà plein. Ah oui, il y a quand même beaucoup de. Ah! Voilà, quand même beaucoup de soins et 50-60 munitions de cutter. Bon, bah pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. Bonjour.
Non, t'avais rien, excusez-moi du dérangement, je fais que passer. Petit ascenseur. Oui. Tu viens? Ah, il est en train d'arriver, ok. Alors, depuis Dead Space 1, maintenant, je regarde toujours dans les hauteurs. On sait jamais qui peut tomber. Allez. Voilà. Et on se tient prêt. Putain de merde! Oui. Bon, on m'a reconnu avec les paroles, les sous-titres Brille, brille, petite étoile, hein, qui était déjà présent dans les précédents Dead Space. Quoi? Eh! Ah, les ballons. Tiens. Je sais pas c'était pour qui, mais du coup, il les aura pas. Alors, message trouvé. Monsieur Donovan, c'est le docteur Brooke, je vous ai déjà dit et je vais le redire, je n'aime pas les secrets autour des nouveaux labos de l'aile psychiatrique. Ça fait 3 ans et nous savons toujours rien sur ce qu'il se passe, s'y passe, pardon. De telles méthodes n'ont pas leur place dans notre société. Leurs réseaux sont si protégés. Ah, la SAS remonte automatiquement. J'en étais où? Leurs réseaux sont si protégés qu'on ne sait même pas s'ils existent, sans parler des manquements à l'éthique qu'ils peuvent se permettre de commettre en toute impunité. Si les choses devaient rester en l'état, j'en parlerai à Tiedman et j'exigerai un rapport sur ces installations. Terminé. Ok, terminé. Hop là. Énergie, ok, donc ça par contre je me souviens plus dans le 1 si la stase remontait automatiquement encore d'un point de force. Et mais j'en ai combien là? 3 points de force, ok. Tac tac, quoi? M'énerve pas toi. Du coup on doit aller où? Par là-bas. Donc nous on va aller bien évidemment par ici et c'est fermé, autant pour moi. Quoi, je suis déjà plein? Niveau soin, je vais peut-être... Ouais, je vais en jeter un. Alors, est-ce que c'est comme... Hop, comment on fait pour le jeter? Je sais plus. Voilà. On va privilégier pour l'instant les munitions, hein, même si... j'ai la dose, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais. T'aurais pu le faire toi-même. Hein. Là, honnêtement, j'ai tiré sur ce qui brillait. Hein. Ça nous aide toujours un peu. Hein. Alors. T'es mort, toi? Ah bah non, il est pas mort. Déjà avec la télékinésie, j'ai essayé de le choper et ça m'a pris l'objet qui était à côté. Ça m'a donné un peu la puce à l'oreille. Encore un point de force. Eh ben dis donc, j'ai l'impression qu'ils vont être généreux dans les points de force ici, à moins que ce soit le début. Sauvegarde. Ah bah tiens, on a un petit stock. Bon, on va aller voir un peu. Bienvenue au microstock, ingénieur CEC Isaac Clark. Mise à jour de votre inventaire aux normes de la compagnie. Ok, bon. Du coup, on va déposer un peu de soins. Voilà. Et là, j'en ai qu'un. Ok, donc là, déjà, je vais juste voir si je peux faire demi-tour pour aller récupérer le soin que j'ai laissé par terre. Allez, fauteuil là! Dépêche la porte, merci. Ah oui, mais non, je peux pas retourner en arrière. Eh, un soin, c'est un soin. Hein. On va pas le gâcher. Allez, go. Et on va aller voir un peu ce qu'on peut acheter.
J'ai combien? Bah, 10 700, je dois avoir assez pour acheter quelque chose. Allez. Ah bah d'accord. On peut acheter que l'armure. Minimum garantie de 10 emplacements d'inventaire et 5 d'armure. Votre rig garde vos plus hauts niveaux d'inventaire et d'armure en mémoire. Ok. Bah oui, on va acheter, hein. On n'a pas trop le choix. On n'a pas d'armure. Ok, bon bah ça veut dire le jeu peut commencer et on peut rien acheter d'autre. Ça c'est mon inventaire. Bah du coup là j'ai des places supplémentaires normalement. Voyons. Ah bah non. En fait j'en ai autant. Ah je me souviens plus combien j'en avais avant. Bon bah c'est pas grave. On va faire la petite sauvegarde, hein. Bien évidemment je vous coupe ça. Toi je sais plus si je t'ai éclaté. Voilà. Allez, petite sauvegarde, je vous retrouve après. Bon, allez. On est de retour. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Select pour afficher l'inventaire. Et les messages. Oui, bah, merci. Hein. Ça fait un bout de temps que je l'utilise. Hein. Bon, bah, l'armure hein, un peu fidèle à Dead Space. C'est vrai qu'elles sont pas folichonnes. Hein. À part la blanche qu'il y avait dans le Dead Space 1. D'ailleurs, j'ai même pas regardé dans les... Dans les cheat codes, comme on les appelle, sur internet pour savoir s'il y avait une armure similaire. Ah, ok. Alors, attends. Oui, zone de vide. Tu permets. J'étais pas prêt. Allez, go. Ah. Ah, ça brillait, je croyais. Ah, bah là, ça brille par contre. J'étais en train d'écouter le son. C'est comme dans le premier, hein. Tout est étouffé. Bon, j'ai un peu de temps, donc je me permets de fouiller. Allez. Ah, sur le coup, j'ai eu peur. J'ai dit, non, je crois qu'en fin de compte, je vais pas avoir le temps. Hop là. Ah. Grands espaces comme ça, c'est pas super cool. Plein de munitions. Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Par où faut que je dois aller? Par là-bas. Ah bah oui, bien évidemment. Hop. Alors, ok, j'ai raté. Oh, cours pas vite. Non, il va me sauter dessus, lui. Alors, j'ai vu qu'il y avait du jaune, là. Comme les premiers. Hop. Comme dans le précédent Dead Space, il faut tirer sur le jaune. Hop, là, je vais recharger, parce que je sais pas où j'en suis dans mes munes. Ah, ah j'ai plus de stase. Oh, déjà. Non. C'est bon, j'ai récupéré ma stase. Allez, toi, prends ton bras. Voilà, ah plus de bras. Et tu restes tranquille le temps que... Oups, là. Je veux dire le temps... Ah oui, j'ai encore plus de stase. Oh, va vraiment falloir que j'améliore la stase au début, hein. Allez, voilà. Ah, ton bras il me saoule là. Il est où? Allez, calmos et dis au revoir à ton bras.
Ah non, c'était mon chargeur Givalion, il les jette loin lui hein. Oh. Cette chose avait la rage. Leila, je sors de l'hôpital. Bon, le tram est derrière les quartiers résidentiels. Attendez, je veux des réponses. Je suis là depuis quand? 3 ans. Tynemann vous a récupéré près d'Egis-7 et il vous a amené ici. Et pourquoi je me souviens de rien? Le monolithe a implémenté un signal répliquant dans votre cerveau. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram. Bougez-vous. Ok. On a un nouvel objectif. Ah, là-bas, ça brille. Non, je me trompe de touche. Moi, je veux courir. Merci pour les mines. Là-bas, il y a encore une caisse que j'ai pas vue. Le bras, on peut le prendre? Ah ouais. Eh mon grand. Et il est pas mort, il bouge encore. Ok, d'accord. Ça doit être trop lourd. Isaac ne peut pas le balancer. Alors, on en est où? Mini kit de soins. Tiens, je vais en prendre un. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Ok. Ah, ici. Voilà. Allez, je crois que c'est bon. On va par où maintenant? Par là-bas. C'est parti. Bon, un premier boss. Je sais pas si c'est un boss. Mais sa taille en donne l'impression. Bonjour. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Bon, ça, ça se casse pas. Ah, ici, ça brille. 1000 crédits. Telle une pie. Ok. Encore des crédits. Il n'y a rien. Allez, go. Oh, c'est bien par là. On y va. Ah. Voilà, ça, comme dans le premier, on a le symbole. Ah, d'accord. Eh ben, on va faire un petit tour dans les conduits. J'espère qu'on va pas faire de mauvaises rencontres. Allez. Oh, tu l'ouvres la porte? Merci. Ah, bah on est déjà à l'épisode 2. j'aurais su, on est à combien de temps? On a 17 minutes. Ouais, j'aurais peut-être pu faire un épisode plus loin la dernière fois. Ah, une petite transmission. Écoutez, ici Sorensen de la compagnie. Démembrez-les, il n'y a que ça qui les arrête. C'est les membres, c'est ça la clé. Aidez-nous, on ne peut plus diffuser. Faites passer le message. Oui, bah ça, on est déjà au courant. Alors, donc ça, c'est les améliorations, comme dans le premier. Ouais, alors le cutter plasma. J'ai 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non. 1, 2, 3, 4. Allez, on va faire ça. Avant je vais regarder donc les rigs pour l'instant on s'en fiche, la durée, l'énergie. Ah ouais, donc là c'est juste au niveau de la durée. On va se faire le petit cutter. Oui, le rechargement et la vitesse, voilà. Et pour la stase, bah pour l'instant non, on va pas l'utiliser. Je me garde toujours un point comme dans le premier. Au cas où si on croise des portes à point de force. Du coup, ah bah ça y est, on peut acheter. Alors c'est quoi? Énergie plasma, ok. Et le soin. On peut acheter le lance-javelot et le trancheur. 9000, 11000, ok. Non.
pour l'instant ça va aller. Ici dans mon inventaire, ah ça je peux le revendre. Voilà, donc comme dans le premier, les semi-conducteurs servent uniquement à se faire de l'oseille. Donc là j'ai 4 soins. Peut-être mettre un complet. Voilà. Et c'est parti. Ok, bon, moi je crois que ça allait discuter, mais non, pas du tout. Ah, je me suis encore trompé de touche. Ah, c'est lui qui parle, ok. D'accord. Voilà, bon, on récupère un peu tout ça. Là, il y en a un qui nous dit qu'il faut évacuer. On a une petite sauvegarde. Ah, bah voilà, je savais bien qu'il fallait que je les garde. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un message, ok. Alors, on va le lire de suite. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, le chômage sur Titan est spectaculairement augmenté de 9,5% en raison de l'effondrement du secteur démantèlement dans le système solaire. L'incident de l'Ishimura a fait perdre confiance aux investisseurs, ceux-ci baissant leur participation au profit d'autres activités. Cependant, Titan continue à générer des profits, notamment grâce aux rapports financiers du gouvernement en faveur de la recherche et des opérations de forage. Voilà, c'est comme ça. Malgré le vide laissé par l'industrie du démantèlement, le secteur tertiaire tient bon du fait de l'augmentation démographique, liée à la présence du gouvernement. Les installations dédiées aux brises surfaces, les services relatifs aux vaisseaux, les fournisseurs du secteur minier et les revendeurs d'outils accusent de lourdes pertes. La compagnie a toutefois recyclé ses installations au centre de recherche et développement pour le gouvernement. Ok. Un petit message. Un semi-conducteur. Énergie plasma. Enfin, je crois. C'est pas celui que je voulais récupérer. Et un kit de soins. Ah, inventaire plein. Ah bon? Oh là là. Ah ouais, j'ai un semi-conducteur. Bon, c'est pas grave, là, comme je... Ah, je peux pas. D'accord. Bon, bah tant pis pour le soin. Il va rester là. Allez, une petite sauvegarde, non, avant. Ah ouais. Une recharge Stars, ça peut me plaire. Donc du coup, on va lâcher quoi? 6 munitions, hein. Hop là. Et je préfère quand même prendre la Stase. Pour la recharger en cas de besoin. Allez, petite sauvegarde. Voilà. C'est parti pour la suite. Allez. Oula. Laisse-le tranquille, toi. Voilà. Alors on va recharger de suite tant qu'on est au calme. Au calme, c'est vite dit. Hein. Ah, un point de force. Bah voilà, comme ça. Oh non, 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 non. Hé, toi. Ah bah si. Je l'ai tué, mais il a réussi à faire pop un monstre. Donc le retour des espèces de papillons Raymanta là. Des crédits, c'est parfait. Allez. Ah bah d'accord, en fait on y va même pas là-bas. Ah bah j'aurais pu le laisser tranquille alors.
dans un ascenseur. Ok. Ok, donc je voulais juste m'assurer que vous étiez mort. Dans une position comme ça, c'est plutôt... Isaac, par ici! Qui êtes-vous? C'est les drogues, Isaac. Les drogues qui nous font oublier. Mais ça me revient... Je vois pas comment vous voulez parler. Pourquoi vous m'appelez? Isaac! Isaac, attention! Non. Aïe, laisse-moi tranquille, toi, là. Voilà. Ah, du coup, moi, j'étais en train de boire mon petit café pendant que y avait la cinématique et je me fais agresser. Ok, bon, le retour des nécromorphes à queue. On avait vu dans un document qu'il s'agit en fin de compte de leurs jambes qui se sont soudées. Super. Ça fait plaisir. Non, t'as rien. Allez. Non mais hé. Non mais oh, me laissez tranquille eux. Alors c'est bon, ils sont partis. Tais-toi. Voilà. Oh, des munitions, des crédits. Non mais... Oh, arrête de crier dans les couloirs. Et on court pas, tu vas glisser. Et donne-moi ça. Ah d'accord. Dent trancheur. Ouais. Alors, voyons un peu ce qu'on a. Bah tant pis pour le dent trancheur. Hein. Je pensais que ça allait être comme dans le premier. Tant qu'on n'a pas acheté l'arme, on ramassera pas les munitions. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. À moins que... non, c'est rond. Voilà. Hop, j'ai pris un petit kit de soins. On va quand même les prendre, on sait jamais. On les mettra au coffre. Allez, on va faire un petit tour dans la laverie. L'armure d'Isaac est un peu sale. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans encore? Bah y'a rien. Je pensais qu'ils allaient nous faire le coup à un truc qui en sort. Mais pas du tout. Attention, coupure du courant. Démarrage. Patientez. Couché, sale bête. T'es mort? Bah oui. Viens là toi. Allez. Encore. Tais-toi. Voilà. T'es bon? Ah. Non mais oh. C'est bon? Allez. Maintenant, on a du bon monde. Ah, j'ai récupéré autre chose. Je crois que c'est des trucs de javelot. Non, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah si d'entrée de jeu, il nous donne toutes les munes.
peut-être falloir... Il n'y en avait pas un autre par là? Donc qu'il soit réveillé ou dégagé. Alors. Toi, je sais plus si je t'ai écrasé. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Par contre, là, du coup, au niveau mine, j'en suis où? Ah, ça descend, ça descend. Va falloir faire attention. Faut aller par où? Par là-bas. Eh ben, moi, je vais d'abord aller par là. Non, il n'y a rien. Tant pis pour moi. Allez, go. On va avancer. Bonjour. Quoi? Ah. Je crois que je peux pas le ramasser. Je le sens pas. C'est quoi ça? Un message. Alors. Voilà ce qu'il nous dit. Histoire de la conquête spatiale. Titan, renaissance d'une lune, partie 1. Le démantèlement de la planète devint possible lors des décennies suivant la découverte de la théorie unifiée des champs. À tes souhaits. Permettant le contrôle du graviton à la façon de celui que nous connaissons pour l'électron. Avec l'application de méthodes de contrôle à grande échelle, le secteur minier comprit qu'il tenait là de nouveaux outils. À l'époque, les techniques d'accélération lumière n'en sont qu'à leur balbutiement et les risques potentiels du démantèlement sont encore mal connus. Titan, la lune de Saturne, fut ainsi choisie comme premier terrain d'expérimentation. Saturne étant à distance raisonnable de la Terre et les entreprises minières avaient les moyens d'y envoyer leurs employés. D'accord. Donc en fait, on est sur la lune. Vous n'entrerez pas. Si vous soyez, je n'ouvrirai pas. Je me fiche de vos mesures de sécurité et de vos ordres. J'ai une arme. Je vous tuerai si vous essayez d'entrer. Je ne plaisante pas. Éloignez-vous de ma porte. Ouais, ok. Je m'éloigne de ta porte, mon grand. Hop là, avant d'aller plus loin. Oh. Qu'est-ce que j'ai, là? Ouais, j'ai que 3 soins, là. Ça me... Donc, semi-conducteur et un schéma de points de force. Pour obtenir... Ah, après, on pourra acheter les points de force. Ok. Ouais, bah, tu m'excuseras, mais toi... Hop, je te dépose. Je préfère quand même récupérer du soin pour l'instant. Qui me sera quand même beaucoup plus utile. Alors c'est par là qu'il faut aller. Ouais. Tiens d'ailleurs. Sauvegarde, plan. J'ai raté un plan. Oh, on va faire un petit tour comme ça pour voir. C'est juste pour tester, hein. Après, si je l'ai raté, tant pis. Ouais. Je sais pas jusqu'où il va me faire revenir. Ouais, il va me faire revenir trop loin. Donc là, je sais pas si c'est pour accéder à un plan raté ou... Ouais, celui-là il y avait le stock. Donc à mon avis c'est là où on a fait les améliorations en début de vidéo. Donc non, je veux pas y aller. On va pas refaire tout le niveau à l'envers juste pour vérifier une théorie fumante. Donc si c'était un point de force, tant pis. Mais je pense que c'est pour accéder justement à la zone où on a pour améliorer notre équipement. Allez, ascenseur. La méduse est infectée? Comment c'est possible? Le monolithe était détruit, je l'ai détruit. C'était un monolithe, Isaac. Mais ils en ont construit un autre. Dans cette station? Pourquoi? C'est une technologie alien très puissante. Timeman veut son pouvoir. Allez au tram, il vous mènera jusqu'au quartier des tours confinées. Taylor? Bon sang. Ok, bon bah comme dans le premier, on va accéder au tram. Mmh. Il y a un bébé. Du coup, on a combien de temps? 34 minutes. Ouais, on va faire une petite sauvegarde et s'arrêter là. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On avance gentiment. J'ai l'inventaire qui est bien complet, hein, comme dans le premier. On a récupéré une petite armure hein, qui nous éblouit beaucoup. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour la suite des aventures d'Isaac. Voilà, allez, ciao, bye bye.